Allez, salut tout le monde, c'est Waves Arten, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouveau glitch, un glitch de duplication qui est là depuis plusieurs semaines. Il fonctionne toujours, je vais vous le présenter aujourd'hui. Dans un premier temps, il va falloir un centre d'opération mobile avec module 3 de dépôt de véhicules personnels. Il faudra également un ami qui a le même atelier auto que vous. Donc je remercie Juste, qui est dans la vocale d'ailleurs, qui fait des bruits un peu chelou. Donc voilà, je remercie pour m'aider pour ce glitch, voilà. Donc, pour commencer, on va acheter n'importe quelle tenue de plongée. Donc ça n'a pas d'importance. Vous allez dans un magasin de vêtements et vous allez faire du footing. Non, vous allez acheter une jeune plongée. À la Wagba. Non, c'est pas ça qu'on va dire. Il faut manger des fleurs le matin. Bon, je vous accélère, on va se diriger vers un point d'eau. Allez les amis, une fois arrivé au point d'eau, vous allez vous diriger comme moi avec la tenue de plongée sur vous. Avant cela, assurez-vous d'avoir sauvegardé la tenue, sinon il faudrait recommencer. Donc là les amis, on fait carré pour monter sur le petit bord. Style, pavé tactile, style, on va plonger. Dès que notre personnage va toucher l'eau, on va spammer le croix. Allez, c'est parti. Mon personnage touche l'eau, je spam croix. C'est parfait. Si tout a bien fonctionné, je dis bien si tout a bien fonctionné, vous allez être comme moi, donc c'est-à-dire que quand vous allez faire pavé tactile, sécuroserve, PDG, gérer l'organisation dans style, flèche de gauche, flèche de droite, vous allez faire spawn des bonbonnes de gaz à l'infini. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on se dirige tout simplement au salon auto. Allez, une fois arrivé au salon auto, on va rentrer dans le centre opération mobile. On va sortir avec la moto, d'accord? Assurez-vous de l'avoir appelé de la mutuelle mort si elle est pétée. Non, par contre, je te bute, hein. je te bute si tu fais ça. Donc, une fois que vous êtes sorti avec votre moto, vous allez sentir le pied du mec. Non, vous allez sortir une grenade. Vous allez la lancer contre la grille. Une fois que vous l'avez lancée contre la grille, vous allez avancer vers la grille, faire start. Et croix pour avoir grandir la grille. La grille. Allez, c'est là comme à la map. Allez, c'est parti. Si ça vous fait exploser comme ceci, c'est parfait. Donc là, c'est la deuxième étape. La troisième étape est de appeler un véhicule qu'on souhaite dupliquer. Donc pour ma part, c'est une vie anticipation. Donc je l'appelle via le mécano. Manger des fleurs au passage, c'est très bon pour la santé. Ta gueule. Alors, une fois le menu le véhicule ouverte, vous allez ouvrir le téléphone et faire triangle. Très important d'ouvrir le téléphone, sinon vous allez avoir tout simplement un message infini qui va vous dire dépôt de véhicule personnel plein. Et vous devrez recommencer depuis le début. Par contre, arrête. T'es bruit ? Merci. Donc là, on avance le véhicule vers le rond bleu du centre. Placez-le comme moi, donc vers la fin du centre. Et là, au moment où vous allez refuser le message, regardez, ça va vous faire un écran noir comme ceci. Vous allez être dans votre centre d'opération mobile. Et là les amis, c'est très simple, vous allez devoir bloquer la porte. Donc la porte de là ici, d'accord. Allez,
C'est pour ça que je vous ai demandé de faire la tenue de plongée buggée pour tout simplement bloquer la porte de là ici. Donc, on va dans Secure OCR, gérer l'organisation style, on fait flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite, on fait spawn plusieurs bonbons d'oxygène pour que ça fasse bugger tout simplement la porte, qu'on puisse se téléporter dedans. Allez, une fois les bonbons d'oxygène passés, on arrête, on va vers l'autre porte, d'accord, et on fait la même chose. Allez, flèche de gauche, flèche de droite, flèche de gauche, flèche de droite. Et vous faites ça pour les deux portes. Attention, ne perdez pas de vue les bonbonnes d'oxygène, sinon elles vont s'enlever tout simplement. Alors là, il y a un mec qui envoie un message, du coup je vois rien, je vois pas ce qui se passe. Du coup, une fois ceci fait, vous ne tournez pas la caméra, vous faites triangle. Si ça vous téléporte dans le véhicule comme ceci, c'est parfait. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est croix, triangle en même temps. C'est parti. Donc là, vous avez vu, j'ai fait croix, triangle, c'est parfait. Regardez, la plaque, elle va se changer. Pouf, la plaque, elle s'est bien changée. Vous avez vu, c'était 25 au début, elle est passée sur 89. Ça veut dire que vous avez tout simplement réussi votre duplication. Si vous voulez recommencer, vous mettez là les anticipations dans le centre. Donc la duplication dans le centre. Vous appelez une vortex dans un autre garage. Et vous prenez là ici original pour recommencer les duplications. Moi je vous laisse, c'était tout, c'était WeatherTen. Profitez-en avant qu'il soit patché, je vous le dirai quand il sera patché. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était ciao. Ciao.